Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 33ème épisode dans Let's Play sur Darksiders. Dans l'épisode précédent, on était toujours à la recherche des coffres, etc. Hein, et de l'amélioration pour l'épée. Il y avait un coffre que je n'arrivais pas à obtenir là-bas, je sais toujours pas comment on l'obtient. Par contre, j'ai réussi à trouver comment... on pouvait atteindre le fragment de l'artefact que je ne récupérais pas. J'ai fait les trucs pendant je ne sais combien de temps et au final c'était un truc. Je voulais juste tirer ça. En plus on le voit bien, les deux autres sont cassés alors que celui-là ne l'est pas. Bon, par contre ça m'explique toujours pas. Ah, formidable, tu as réussi. Les seigneurs de la justice te viennent en aide. Oh, sacre bleu. Les artefacts, il doit pas manquer énormément quand même non plus. 3 et 2 et 3. Alors du coup au niveau de l'armure abyssale, j'en ai peut-être que oublié une. Enfin la dernière partie, là où il y avait les araignées. On va essayer de voir ça. Le grim normalement il est là. Entre des serpents. Pas de cercle de vue le game au niveau des araignées. D'abord on va essayer de récupérer l'armure et puis après on ira récupérer les dernières parties de l'épée. Ouais, c'est cool d'approcher de la fin de l'aventure. Et je remercie encore toutes les personnes qui m'ont donné des conseils dans les commentaires, les personnes qui ont commenté, qui ont mis des petits likes. Vraiment. Ça tombe bien parce qu'on arrive. Ah. Ce n'est pas un piège, cavalier. Je suis seul. Moi, Uriel des gardiens des enfers, championne de la cité blanche, te lance, cavalier, un ex-sacramentum. Imbécile.
Je revendique un droit sur ta vie devant le Créateur. Feras-tu fi de cette loi aussi? Pourquoi? Abaddon disait que tu connaissais l'honneur. Et parce que c'était le meilleur de nous tous. Le serment à la mort ne peut être rompu. Jusqu'à ce que l'un tombe de la main de l'autre. J'accepte. En bas. Ouais, mal toi. Tu m'as sauvé. Défends-toi. C'est moi qui décide quand l'ange meurt, pas toi. Tu m'as fait un serment. Abaddon le destructeur. Menteur! Pour te protéger, il t'a caché la vérité. Tu as promis de suivre ton maître dans les enfers, sans savoir ce qui t'attendait, ou ce qu'il deviendrait. Abaddon... Il a été trahi, et il est devenu l'ennemi de toute la création.
J'ai trouvé l'arbre. Son don, c'était la vérité. Et je la partage avec toi. N'oublie pas le serment à la mort. Bientôt, il se réalisera. Ah, il est gentil. J'ai combien de fois que monte l'épée ? 4. Est-ce qu'on prend ça qu'il aime ? Elle était quand même balèze. Hein. J'ai passé une bonne partie de mon épisode précédent par ici, si je dis pas de bêtises. Exactement. Couteau 6. Sur le cheval. Le cheval, c'est génial. En espérant que je me plante pas. Savoir récupérer tous les coffres.
Apparemment, j'ai récupéré tous les coffres ici. Je vérifie. Je vais faire une petite ellipse, enfin on va se retrouver là, mais je vais vérifier où se trouvent les différentes places et je vais voir ce que j'aurais pu oublier tout de suite. C'est bien possible que ce soit dans cette zone là, mais que je n'ai pas encore... que je n'ai pas récupéré. On va aller voir. Les coffres que je peux pas ouvrir ou parce que j'ai peut-être déjà ouvert hein, mais je me rappelle pas. Par contre faut que je retrouve la zone, ça va être un peu chiant. Zone où il y avait les créatures pavées avec d'accord, je voulais sauter pour gagner un peu de temps, au final j'en ai perdu. Ah, il y avait une zone avec une espèce de chronosphère. C'était peut-être par là. Donc là, hop, là, grimper. Là. Non, je l'ai déjà récupéré. Et voilà, je suis un petit peu perdu, les amis. Je sais pas parce que j'ai raté la dernière armure. Tant pis. Il faudra que je reprenne le temps de refaire toutes les zones. Mais ça risque malheureusement de prendre beaucoup de temps. Ouais, je le ferai sans l'armure sinon. J'aurais bien aimé voir la tête de l'armure.
dit rien que j'ai récupéré l'arme. Comme j'avais la map de la zone, je pense que ça me l'a révélé. Parce que là, si je regarde, quelle ça me dit rien. Donc au final, c'est une très bonne question. Le sac de Vulgrim. Salutations. Un de chaque côté de toute façon, donc ça va être réglé assez vite. Escalier. Je regarde si j'ai pas oublié quelque part, mais... Ah, ça m'embête un peu quand même. Je dis que j'ai exploré quand même pas mal de zones, etc. Celui-là, on l'avait déjà vu. Non, c'est pas par là. Non, c'est... On sort du métro. C'est un peu tranquille. Au nom des gardiens des enfers. Franchement, moi je vous ai rien demandé, je me balade tranquillement. J'essaie d'être cool avec vous. Abattez-le. Nombreux en plus, les gars, j'ai...
6. Je te demande juste de me laisser me balader. Potence ardente, c'est là où j'étais, si je dis pas de bêtises. Je veux juste vérifier hein, si c'était là où j'étais. Ça m'a annulé. Ou ça l'a laissé. Ça l'a laissé actif.
Ah ouais, je crois que dans le couloir il y avait un... Ah, il y a tout ça de coffre que j'ai pas pris. Ah. Moi je pensais, je me suis dit tiens, je suis plutôt bien. Mais non. Vraiment avoir bien exploré la zone. Ah, c'est peut-être là le dernier coffre. Bon bah voilà. Ok. J'ai cherché cette armure légendaire ouvragée avec précision permet à Guerre d'encaisser bien mieux les dégâts. Pas mal, très sombre. Bon, du coup, on a gagné un peu de temps. Il y avait pas un autre coffre ici? Ah, il y a un coffre au-dessus. Un coffre au-dessus et il y a un autre coffre. Avec le truc là-haut. Ah. J'ai un peu comme l'impression qu'il y avait un artefact. Exactement. Ouais, il y a assez de trucs quand même. J'aurais pas tout, je vais pas prendre tous les artefacts hein, malheureusement. On va le faire complètement. Bon déjà on aurait récupéré une bonne partie. Vraiment pas grand chose. Après je pense que les autres peuvent se trouver assez facilement si on prend le temps. Mais... On va prendre le temps. Là on avait vu le truc, donc je suppose qu'il faut le masque, le team. Ça, ça. Ah. D'accord, d'accord, d'accord. Il va y avoir un coffre encore en dessous. Non, ça. Action. Ça y est, le dernier fragment de cette maudite lame. À présent, retourne voir Ultan et finis son sang.
juste essayer de voir s'il y a un coffre quelque part là-dedans. Ça me dit qu'il y a un coffre, alors des fois, enfin, il y a plein de coffres que j'ai pas vu, même si ça me les indiquait. Et pareil, là, il y en avait un pas très loin du sac de Vulpé, mais voilà, ça a été là pour les. Ok, du coup, là, on va ressortir et il y a plein de coffres qui apparaissent, enfin, à première vue. Dommage. Quasiment pas de dommages. On va juste aller à Vulgame parce que la zone est plutôt safe. On va avancer, on va aller voir des grimes qui courent. On fait pop 1 et 3, vous allez la position. Donc les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je suis désolé pour la longueur et pour la recherche de l'armure alors qu'elle était très idiotement là dans la zone. Où il fallait que je récupère le dernier morceau de l'épée. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour le dernier épisode de Darksiders. Enfin, je suppose que ça va être le dernier épisode. Et donc d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao.